Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Après plus de 4 mois d'absence, il est enfin de retour. Les amis, bienvenue dans My Hero Academia UHC. Et en 4 mois d'absence, une nouvelle version a fait son apparition et le mode de jeu s'est donc beaucoup amélioré. Et vous l'aurez compris, de nombreux rôles ont été ajoutés, ce qui va évidemment laisser place à de nouvelles stratégies. Cette game a été réalisée en stream avec vous, les membres de mon Discord. Si jamais vous aussi vous voulez participer au game que j'organise, je vous invite à le rejoindre, le lien est en description. Vous pourrez donc retrouver également le lien de ma chaîne Twitch. Et je réalise d'ailleurs ce soir une grosse soirée de stream, le samedi 6 février à 18h, avec d'abord un Wano UHC, suivi à 21h d'un My Hero Academia UHC. Donc si jamais ça vous intéresse, vous savez où me retrouver. Pour ceux qui découvriraient aujourd'hui le mode de jeu, je vais vous rappeler les bases. Dans My Hero Academia UHC, deux camps principaux s'affrontent, celui des héros et des vilains, respectivement les gentils et les méchants. A partir de 20 minutes, nous allons devoir interpréter un des rôles présents dans la partie. A l'image de My Hero Academia, chaque personnage présent dispose d'un alter, passif ou actif. Les alters sont des super pouvoirs propres à chaque héros et vilain. Certains vont devoir être activés pour les utiliser et d'autres vont être directement activés à l'annonce des rôles. Dans cette partie, nous avions une composition de 26 joueurs avec quasiment tous les nouveaux rôles présents. Avec comme nouveaux rôles Recovery Girl, Fat Gum, Mirio, Naomasa, Muscular, Mustard, Rikia et Shin Nemoto. Mais aussi bien évidemment vos héros préférés comme All Might, Izuku, Ochako, Shoto, Eri, Kachan, Tomura, etc. Mais la question est donc la suivante, quel va être mon rôle ? Qu'est-ce qu'on est ? Oh ! Incroyable ! Ça, c'est trop bien, ça ! Incroyable ! On est enfin Izuku ! Oui, les amis, c'est enfin arrivé. Nous sommes Izuku. Izuku est bien évidemment le héros principal du manga et l'un des rôles les plus travaillés et fidèles par rapport à l'animé. Laissez-moi vous le présenter. Izuku doit bien évidemment gagner avec les héros. À l'annonce des rôles, je connaîtrai directement le pseudo d'All Might ainsi que de mon professeur principal, Eizawa. Ici, respectivement, Zuein et Takenka. Première référence à l'animé, à l'annonce des rôles, j'aurai directement faiblesse 1 permanent. Ce qui symbolise le fait qu'au début, je n'ai pas d'alter et je suis donc par définition plus faible par rapport aux autres. Cependant, All Might va me transférer le One for All. Pour ce faire, je vais devoir commencer mon apprentissage à ses côtés. Lorsque je le trouverai, je devrai rester dans un rayon de 30 blocs autour de lui pour atteindre différents stades. Le premier stade, au bout de 5 minutes, me fait perdre mon effet de weakness. Le stade 2, 15 minutes plus tard, me rendra la possibilité d'activer mon alter une fois par épisode, ce qui me donnera force et vitesse pendant 3 minutes. Et enfin, le dernier stade, 30 minutes plus tard, mon alter, le One for All, évolue et j'aurai donc force et vitesse permanent. Par ailleurs, si All for One meurt, j'obtiendrai 2 cœurs supplémentaires. Et rappelez-vous, dans l'animé, plus Izuku devient puissant et maîtrise le One for All, plus All Might au contraire s'affaiblit. Et c'est pourquoi à chaque fois que je passerai un stade, All Might perdra un cœur permanent. Aussi, vous connaissez la relation de Ochako et Izuku dans l'animé. C'est pourquoi celle-ci connaîtra mon pseudo dès l'annonce des rôles. Nous avons donc la possibilité d'avoir assez rapidement un groupe de safe. Mais attention, car des rôles solo ou vilains peuvent venir s'infiltrer dans notre groupe. Comme par exemple Shoto qui doit gagner seul et qui connaît à l'annonce des rôles le pseudo d'Aizawa. Shoto a la possibilité de choisir entre son côté glace et son côté feu. S'il choisit le côté glace, speed 1 permanent et 2 cœurs supplémentaires. Et il connaîtra l'identité de 3 personnes aléatoires dans la partie. Mais s'il choisit son côté feu, il aura alors force et résistance au feu permanent. Il gagnera également un demi-cœur supplémentaire à chaque fois qu'il réalise un kill. Et il connaîtra également logiquement le pseudo de son père, Endeavor. Il faudra également faire attention à Kachan, ou Bakugo pour les intimes, puisque celui-ci aura plusieurs possibilités de victoire. Par défaut, à l'annonce des rôles, il devra gagner solo. En effet, si il tue Izuku, il devra gagner avec les vilains. En revanche, s'il tue Tomura, il devra gagner avec les héros. Pour ceux qui ont vu l'animé, ce choix est une excellente référence. On devra donc faire d'autant plus attention à lui, puisqu'il connaît également le pseudo d'Aizawa. Vous l'aurez compris, la partie est très loin d'être gagnée d'avance. Pour avoir une chance, il est impératif qu'on retrouve All Might le plus rapidement possible. Allons directement au centre. Et bonsoir à tous, Zuein ! Zuein ! Viens voir, frérot. T'es où ? Viens. On va être collègues, toi et moi. De quoi ? On peut être sûr à 100%. Tu peux pas être sûr à 100% ? Il y a Shoto qui... Il est mort, hein. Personne. Ah bah ok, bah c'est bon. Donc on va se coller toi et moi. Salut mon scrim. Salut. Ça va ou quoi? Ouais, toi. Ça va tranquille, hein. Viens, C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Et après, je suis tombé dans la lave et je me suis laissé mourir la première fois, et la deuxième fois, je me suis laissé mourir pour être... Justement, ce que je voulais... Creep. Voilà, ça fait plaisir. On reprend les bonnes habitudes. Putain, donnez-moi nos folles.
Bon alors. Ah bah, faut que tu trouves cette personne en fait. Bon du coup, l'autre frérot, je te le marque sur un panneau au cas où, c'est lui. Et il faut qu'on trouve le mec aussi, ouais, du coup, Chaco qui m'a donné. Faut qu'il vienne là-bas, en fait. Et puis, ouais, voilà, qui est venu. Apparemment, on m'a dit quoi, elle me connaissait. Donc, ouais. Ça nous ferait déjà un bon groupe, quoi. Mais arrête, arrête, je remonte vraiment legit en plus, mais je suis en train de faire vraiment un chien. Ah, salut. Zardop, Nezuko, Netsuri. Je note le groupe. Bon, à part qu'il y a tout mon rang 0. Ouais, mais je pense qu'il y a un 2 ailé parce que je sais pas, ça paraît bizarre un peu. Mais il faudrait. Je crois qu'il est pas arrivé au centre. T'es sûr qu'il est arrivé au centre, je te dis ? Bah, j'ai vu un mec avec. Bah, moi je l'avais vu tout à l'heure. Hein. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que je l'avais vu. Hein. En fait, je sais pas s'il est reparti. Bah, écoute, on va rester un peu à l'écart le temps que je devienne plus fort. Bonsoir à toi. Alors, t'as un bon rôle ou pas ? Bah, écoute, je suis satisfait contrairement à la dernière fois. C'est pas un rôle trop pété. J'ai fait un heureux dans les caves. Le mec il était full fer. Ah bah voilà. Il m'a fait pitié. Bah voilà. Voilà. C'était un duo si ça vous intéresse. C'était qui ? Un duo. Un duo ? Ok. Ouais, ils étaient deux dans la cave, je les ai croisés. C'était qui ? Je sais pas si je devrais vous dire ces informations, on sait jamais. Bah justement, c'est peut-être en fait le Love Lover, donc bon. Oui, justement, c'est pour ça. Bah oui, mais. Bah ouais, mais justement. Ah bah oui, ouais. Oui, bah je suis con. C'est Arcorion et. Donc lui, j'en suis sûr. Et apparemment, il aurait croisé le... Et il était avec TRLPA, je crois. Ouais. Ok, c'est noté. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. C'est pas celui qui se faisait poursuivre là-bas, lui ? Non, c'est moi, Enzo, qui se faisait poursuivre. Ok. Ok, Jordan, pas croisé non plus. Ça reste pas. Bah, je peux te promettre que non aussi, du coup, quoi. Quoi ? Tu fais confiance en Zoyne ou pas ? Ouais. Non. Oh. C'est pas mutuel ? Si, si. Ok, bah viens, je te mets un panneau 2 secondes. Wow. Bon bah voilà quoi. C'est toi, il serait temps quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, à mon avis, tu confonds, mais oui. Voilà. Il y a un trop. Mais attends. Du monde. Mais attends. Ah. Oh. Ça se passe ? Comme ça se passe. Là, écoute, hein. Ça part. Ça a bien ou pas ? T'as quelqu'un, viens s'il te plaît. Non mais Sengoku, mais pourquoi tu nous suis en fait ? Parce que j'ai confiance en vous et que je connais le rôle de deux personnes ici. Oula. De qui ? Ah non, il nous a pas suivi le deuxième, mais au moins une personne. Oula, tiens. Ok, il est beau. Ouais, je pense que c'est fumé. Tiens. Ah, peut-être pas. Je pense. Ah ouais, il y en a plusieurs des rôles qui ont des infos comme ça. Attendez, juste pour prévenir. Bah, entre vous pensez c'est trop bien en fait. Ouais. Pega 100%, il est bon. À part Sengoku, t'as Kenka, tous les autres sont safe. Enfin, Sengoku, j'en sais rien encore. Et tous les autres, je sais de façon sûre. Si, Pega, plus que les méchants, ils traînent solo. Je suis pas d'accord avec toi. Mais Tekka, est-ce que t'as d'autres infos des gens qui sont venus te voir ou pas ? Moi, j'étais avec Phoenix Axe et il y a. Je crois que c'est. Attends, c'est quoi son blague ? C'est Picard qui nous a rejoint. Oui, mais dis-moi juste si t'as confiance en des gens. Mais en fait, s'il y a personne qui est venu genre te voir, laisse-moi. T'avoue. À part nous là. Sur ces deux personnes, je suis pas sûr qu'ils sont. Étant gentils, mais après. Ouais, mais ils sont pas venus te voir en mode. On connaît ton rôle ? Non. Okay. Voilà, pas comme. Quelqu'un a besoin de fait. Bon, là par contre, on est très éloigné, on laisse les méchants open là. Bah, moi, après, moi je pense que Zardop, Nezuko, Mitsuri, c'est méchant tout ça. Ah, je me fais spam. Tout ce qui est mignon ? Bah, les pseudos que je viens de te dire, oui. Attends, je te cache pas que je partage à moitié tes doutes. Bon, faisons un récapitulatif sur l'ensemble des informations que nous disposons. Premièrement, nous avons retrouvé Zoyne, notre All Might, et grâce à lui, je suis maintenant bientôt au stade 3. Ce qui signifie que je vais bientôt réussir à maîtriser une bonne partie du One for All, ce qui me permettra d'obtenir force 1 ainsi que vitesse 1 permanent. Nous avons également trouvé Ochako, qui est Arcorion, et après plusieurs minutes d'attente, nous avons enfin trouvé notre Aizawa. Grâce à lui, nous avons pu rassembler nos potentiels derniers mates, qui sembleraient être Sengoku et Pei.
réel. D'après les informations de Sengoku, il serait apparemment Fumi Cage, puisqu'il connaît deux pseudos, celui de Aizawa et celui de Hawks, qui serait donc PL. Mais il nous faut absolument rester sur nos gardes, car même si Shoto est mort prématurément, Kachan lui est toujours en vie et peut toujours s'infiltrer dans notre groupe. Par contre, nous nous sommes éloignés de nombreuses minutes du centre, ce qui signifie que nous avons laissé le champ libre aux vilains, pour qu'ils puissent eux aussi se retrouver. Tomura et All for One ont très bien pu eux aussi regrouper les vilains, puisque je vous rappelle que Tomura est l'homologue de Aizawa du côté des vilains, et le All for One a lui aussi beaucoup d'informations. Sachant que nous avons beaucoup de doutes sur le groupe de Zardop, Mitsuri et Nezuko, il va falloir impérativement retourner rapidement au 0-0 pour voir ce qui s'y passe et passer à l'attaque. À gauche, là, ça se bat, là, à gauche, y a pas gare. Ouais, ça se bat, là. Ils en ont tué un. Attendez, poste, ils en ont tué un, attendez. Pégafil. Qui tape qui? Fais gaffe, attends. Non. T'es avec moi, Zwin? Pourquoi il me saute? Aidez-moi, s'il te plaît. Les trois sont méchants. Genre, vraiment, c'est un méchant et. C'est un. Lève la game. Y'a Phoenix, ça. J'aurais mis souris, mais. Zuko est juste en plus. Pika. Faut tenter parce que. Allez, mais les mecs, allez pas fight, ils sont de la 6. Suis-moi. J'ai compris très vite qu'il était méchant quand il s'est retourné sur moi. Il y a Mitsuri là, il est où? Il est où? On va la tuer. Ok, bon, c'est bon, le reste aussi. Vous avez les gars, c'est sûr. Il est où, Mitsuri? Il est, je sais pas où. Mitsuri, il se bat. Ouais, je reste pas là. Ouais, ils sont beaucoup trop. Ouais, il nous a suivis, c'est terrible. Ouais, moi je m'en. En fait, quand on a passé le 0, il y en a trop qui nous ont suivis, c'est chiant. Ouais, mais t'as le for one. Vas-y, viens. Picard, tu voulais te sauter? Bah ouais, il y avait Mitsuri, il y avait Phoenix Axe et. Je sais vraiment. Ok, bon, je sais. Ok, bon, ouais, bon, j'ai. Mais t'es pas sur place. C'est bon, je suis cheaté. C'est de l'internat, moi. C'est bon, t'es cheaté. Toute la semaine là-bas. T'es tripa. Donc ça veut dire mais que. Il est avec nous, hein. Voilà, j'allais dire Bazardop, voilà. Ils sont tous méchants parce qu'il les a réunis avec lui. Tripa, il était quoi? Stain. Tripa, Stain. Ouais, mais tu non, c'est toi. Rôle, non c'est toi, mec. Ouais, je les ai deux bien. Ouais, je mets lui d'avoir The Role, mec. Oh mon dieu, mais. Faut que je retrouve Pegafilm. C'est moi wesh qui les devais. Ouais. Salut mec. Ouais, j'ai capté du coup ton rôle du coup. Je suis trop chaud. Je sais pas, attendez, je vais voir la compo. J'ai cave un peu avec lui et il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste quand même 7 méchants encore quand même. Hein. C'est pas tu vois, avec ça, ça me comporte pas, Skyci d'ailleurs. J'ai une idée, de qui les. Parce que Yushu il traînait beaucoup avec. Putain, j'ai pas noté mais. Skyci est à gauche là. Ouais, non, mais je sais, mais je sais pas si. C'est soit Eri, soit un rôle méchant. Tout seul, non? Ok, ouais, j'ai capté. Alors, toi. Ah là là. Yo, ouais. Mec, c'est pas ça. Bah alors, Woodley, on est méchant? Ah oui, on a tué Overall. Non, on a tué Overall. Woodley, je te vois. Non, tu me vois pas, gros, chérie. Non, non, c'est pas Zwin qui attaque les gars. C'est Pega et Zwin qui attaquent Wolda. Tu m'échapperas pas, hein, Wolda. Vous suivez les gars derrière? Ouais, je suis bon. Oh, mais s'il se retourne et qu'il m'en reste. Oula, putain, t'as réussi ça, mec? Il est trop chaud. Ah, mais putain, mais je suis con. Ouf. Il est là, je le vois. Mais pourquoi je stresse à faire ça? Je suis un peu bête, je fais mon rôle. Mais il est là, les gars, il est là. Il est dessous en cave là. Ah, il a vraiment du down. Non, il est parti dans une cave. Là, il est là. Il est là. Ah, tu t'es engagé dans un mauvais truc au-delà là. Attention, Pega. T'inquiète. Ah, il est mort. What? Mais c'est quoi tout ça? Ah, il y a beaucoup de monde. Mais bro, y'a. A l'aide, je me fais bolos. Mais je me fais vraiment bolos par des squelettes là. Ouais. C'est pour ça que je l'ai pas dit. Bon, Kaza. Allo. On sait que t'es méchant, désolé frérot. Oh non, mais wesh les gars, pas dès le début. Comment ça, dès le début tu sors de cave? Mais oui. Pas gros. Ah ouais.
C'est que t'es méchant, Ron. Non, me tuez pas, s'il vous plaît. Oh, il est méchant, du coup. Je le tape à la main depuis tout à l'heure, mais... mais je sais, ça, t'inquiète. Ouais, c'est t'es un peu bizarre, à casa, quand même, je te le dis, Ron. Ouais, je me laisse, moi, tranquille. Non, mais on le tue pas anyway. Venez, les gars, venez, venez, soignez. Attends, mais il est où on a perdu Sengoku. Oh, par contre, Akaza, reste pas avec nous, frérot, parce qu'on sait rien de toi, donc... On a perdu Sengoku. Il y avait un trou. Il y a Sikoz et Takenka, là, ils voulaient sauter suprême, donc on va voir. Actuellement, en fait, depuis tout à l'heure, on cherche le Love Lover, parce que on... tout le monde nous pense Love Lover, alors que vraiment, rien du tout. C'est qui, Aizawa, pour savoir suprême. Je vais pas te le dire. C'est du Devo. Allez, moi ça m'a saoulé, j'y crois pas. Je suis désolé, ça me saoule. Je sais pas si je vous sauce, mais moi j'avais aucune info. Ah, bonjour, bon, au moins, t'as pas fait moi. Bah, c'est pas de moi non plus, sinon je serais allé les deux tout à l'heure. Du coup, il reste quand même 4 chans, hein. Donc, 4 chans, il doit être dans le. Il doit être Semoenzo, hein, je pense. Hein. Pour moi, c'est Semoenzo. Ouais, je pense aussi en vrai. Oh, t'inquiète, là, on est en train de faire une petite exploration du monde là. J'ai découvert là. Ma gueule. Ce serait bien de les trouver là. Ah, bah, ils sont là, ils nous chase. Enzo, viens vers. Ah, bah. Je gâte. Ça c'est bâtard. Oh, je suis vite quoi. Oh non, les gars, ils sont deux sur moi, alors je suis vite quoi. Ah. Excuse-moi, moi. Allez. Oh là là. Bien joué, les gars. Ça c'est joué un peu. Est-ce que quelqu'un peut passer des gaps, s'il vous plaît? Moi j'ai 3 coeurs et demi. On doit rester des gaps sur le. Je suis no heal. Non, t'inquiète. Ça va, mec? Allez, viens, ce qu'il y a ici, on fait un petit inverse. Vas-y, bon, tu vas me péter le cul, mais vraiment. Vas-y, oui, c'est probable. Vas-y, go faire une arène, go faire une arène. Attends. Non, laisse-les se taper. Oh, vas-y, c'est pas drôle. Les gars, oh putain. Les gars, il l'arrache, mec. Bah, bro, t'as vu Scream? Bon, en même temps, moi, je peux pas crever. Il l'a arraché. Scream. On m'a attaqué. Tu veux faire un GG. Il y a Scrematorium, du coup. Du coup, c'est. Ah, bah oui, mais du coup, on sait qui c'est, ouais. Ouais, c'est. Keep slow. Ouais, il est là. Keep slow, crématorium. Go aller regarder au moins, c'est du spectacle. Mais si tu veux fight le mec, tu pourras jamais tuer Keep slow. Mais non, mais je suis trop chaud, mec. Mais gros, il a résistance 18, hein. Bon bah. Il a 18, il y a des potes. Bon bah, soit il reste le couple, soit c'est terminé. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like, ça me fait toujours super plaisir. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit hashtag Deku dans les commentaires. Je vais terminer la vidéo en remerciant Sikoz de m'avoir passé son point de vue. Le lien de sa chaîne est en description et vous avez une petite fiche en haut à droite qui apparaît à l'instant. N'hésitez pas à aller lui donner de la force et vous abonner. Pourquoi pas essayer de lui faire passer les 250 abonnés, voire les 300. Je compte sur vous pour ça et pour également être présent ce soir sur ma chaîne Twitch pour une énorme soirée qui s'annonce. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci encore une fois à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo. C'était Pegafil, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. À très bientôt, ciao ciao.